Baby, I need your happiness, it's in mine for me. At the moment, baby, I need your happiness. Baby, I need your happiness. All I want is your happiness. Baby, I need your happiness. Be mine for me. Baby, I need your happiness. Be mine for me. We start again. Good morning, good morning. How are you doing? Bonjour, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour à vous tous. Comment vous allez? Comment vous allez? Comment vous allez, mes amours? Je vous l'offre. Bonjour à vous tous. Partagez la vidéo. Partageons la vidéo. Avant de continuer avec notre challenge, aujourd'hui, c'est la motivation. Aujourd'hui, c'est de motiver quelqu'un. Aujourd'hui, c'est de se motiver. Partagez la vidéo. And we will go from there. Good morning to all of you. Today is a motivational day. We need to enjoy ourselves. We need to continue with our challenge. Il a as well fait pomper de continuer. Nous sommes motivés, mais nous sommes motivés. Progresse, mais rien bonne là parce que nous continuons pour challenge. Des peines on gâte, Moi-même, je suis en train de partager la vidéo parce que notre challenge continue. Partagez la vidéo, mes amours. Partagez. I just want your happiness, ok? J'ai juste besoin de ton sourire. Je veux voir ton sourire. Attendez un peu, je rebisse encore le morceau parce que je veux juste voir ton sourire. Je veux juste te voir heureuse. I will take you overseas. I will take you to Africa. Are you happy with me? I will take you to Africa. And I will, for people who are in Africa, I will take you to England. On partage la vidéo avant de commencer parce qu'aujourd'hui, nous continuons avec notre challenge. Nous continuons avec notre motivation. C'est my for me. Baby, I need your happiness. C'est my for me. Baby, I need your happiness. C'est my for me. Baby, I need your happiness. C'est my for me. Bon, je poste aussi à mes amis. Hello, how are you? Bonjour, good morning to you guys. Good morning.
Attendez, je partage aussi à mes amis qui sont connectés présentement. Alors, on partage. On partage pour les réveiller. Ce n'est pas le moment pour dormir. Ce n'est pas le moment pour dormir. Ce n'est pas le moment. Connectez-vous. 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 On se partage les moments. On se partage vraiment les moments. On se motive ensemble. On se motive ensemble. Hmm? I just want your happiness, okay? I just want your happiness. Just make sure you are happy. Baby, I need your happiness. Receive mine for me. Et on n'oublie pas de prendre, ses légumes et ses fruits. We don't need to forget to take our fruit and veg, okay? Never forget to take your capsule. I'm here this morning again to remind you to take your capsule. Make sure you grab your capsule with me, with you. Okay? Okay. Je mets un peu le morceau là. Regardez le challenge. Le ventre de ça. Le ventre de ça. Le challenge continue. Lo. Hey. Think about it. Okay? Make sure you grab your. J'aime bien le morceau là parce que ce matin on doit beaucoup s'amuser. Hein? On continue. I will take you overseas with me. I will make sure I take you overseas for people who in Africa at the moment. I just ship the product to Africa. Make sure you contact Azek Vision in Cameroon to grab your product, okay? Even if it's just once a week, even if you just take this capsule once a week, I will be happy. I need to make sure everyone have this capsule, okay? It's a fruit and veg. I want you guys to have it. Baby, I need your happiness. So you see mine for me. Baby, I need your help. Make sure you grab your capsule, okay? Lo. Eba, Chuba, forgot about them, my God. All I want is happiness. Baby, I need your happiness. See mine for me. Baby, I need your happiness. See mine for me. Baby, I need your happiness. See mine for me. Ça, c'est mon secret, ok? Pour tous ceux qui me posent toujours la question, vraiment, on veut connaître ton secret. Le secret est là.
Le secret là, le secret c'est la santé, le secret c'est la joie, ok? Mon secret c'est d'être, faire l'effort d'être toujours en santé, en prenant mes capsules qui sont des légumes et des fruits. Et mon secret c'est d'être toujours en joie. I will take you overseas. Hey! Tu vas. Partagez d'abord la vidéo. Il faut qu'on monte un peu avant qu'on ne commence avec notre motivation. Aujourd'hui, nous parlons de la motivation, ok? Moi-même, je suis en train de partager. Partagez la vidéo avant qu'on ne continue. Je n'oublie jamais mon oméga. Le secret de ça. Le secret de ça, c'est avec mon oméga. OK? On continue le challenge. Baby, I need your happiness, see my for me. Baby, I need your happiness, see my for me. Just smile for me. I just want your happiness. Smile for me, guys. Smile. Just be happy, okay? The secret of life is happiness and health. Okay? The secret of life is happiness and health. If you want to be happy, contact Alvin Nome. If you want to take care of your health, contact Alvin Nome. My God, the secret of life. Baby, I need your happiness. All I want is your happiness. Baby, I need your happiness. See my for me. Baby, I need your happiness. See my for me. Just smile for me. Just smile for me. Be happy, my sister. Be happy, Samra. Be happy. Just make sure you enjoy yourself. And if you don't have your product yet, please contact me. Send the inbox to grab your product, okay? Or visit my website to order your capsule. It's very important. It's fruit and veg. This is my omega, the omega 5 omega, okay? The base is fruit and veg. This is 5 omega. Omega 3, omega 5, omega 6, omega 7, and omega 9. Fruit and veg. It's an oil from fruit and veg. Okay? This is fruit. This is my vegetable. Okay? Just make sure every day you eat dirty fruit and veg. And to eat that dirty fruit and veg, you just need to contact Alvin Nome or go to my website. Ok, il faut qu'on laisse un peu le background, sans bruit parce que quand on veut parler des choses très importantes, on doit être un peu plus calme sur le background, ok? Donc, ce que je voulais par là dire ce matin, nous continuons avec la motivation, nous continuons avec notre challenge. J'ai commencé le challenge avec vous, mes amours, je vous adore, je vous aime. C'est la raison que j'ai toujours mon cœur avec moi. Parce que le cœur, c'est votre cœur. Je vois l'amour que vous avez pour moi. Donc, au retour, tellement l'amour que j'ai pour vous, c'est très grand. Regardez le cœur là. Le cœur est tellement doux. Le cœur est vrai. Donc, aujourd'hui, nous parlons de la motivation. Et quand on parle de la motivation de soi-même, il faut se motiver. Ma chérie, il faut te motiver. Il faut te transformer. Il faut faire honte aux aigris. Il faut faire honte à ceux qui ont dit tu ne peux pas arriver, à ceux qui ont dit tu ne peux pas réussir. Aujourd'hui, c'est la motivation. I will always be there, guys, to motivate you. I will always be there to tell you, you can take a decision and have a transformation and enter your life. I know sometimes we forgot about ourselves.
Sometimes we forgot, but it's not time again. I took my decision to say enough is enough. I need to motivate my follower people. I need to motivate my follower brother and sister. I need to let them understand how good they are. I need to let them understand they need to take care to their life. They need to take their life in serious. Because you are life first. Because you are life first. And you need to move on with positive people around you. You need to move on with positive people around you. If you have friends who don't want your success, you need to let them go. You must let them go. Because as more you delete people from your phone, as more you delete phone number, you will put the right phone number into your phone. Okay? Not have a phone number of people who just envy you. Not have a phone the phone number of people who don't want to move on. You need to keep on your phone the number of people who want to move on, who want to change the way they were thinking before, who want to stop gossiping about people name, who want to talk positive, okay? If you want to keep somebody number on your phone, make sure the person speak positive with you. And if you notice the person is just there talking negatively about others, just let them go. Delete that person from your list. Delete that person from your list. Okay? And if you somebody and you hear from another person, say the person said that negatively against you, just remove the person from your life. Remove. This is time for us to clean ourselves. This is a time of transformation. This is a time of motivation. We need to be, we need to love ourselves. Who will love yourself more than you? Nobody. Nobody. Even your mom cannot love you more than her. No. No. Just imagine you carry your baby and you fall down and saw the water. You fall down with your baby and saw the hot water. Imagine, just take that scenario and saw your life and say, yes, I have my baby, and we fall down and saw the hot water. What happened? You will get out from the hot water first before think about your baby. That is life. That is life. I want just to remind you, okay? Let me come. Donc, continuons à partager la vidéo parce que il faut au moins que les gens en bénéficient des conseils d'aujourd'hui parce que nous continuons avec la motivation. OK? Nous continuons avec la motivation, donc faisons l'effort de partager la vidéo. Je sais qu'il y a toujours ceux qui ne partagent pas la vidéo, mais faites l'effort. Faites l'effort, changez le cœur. Essayons de changer notre cœur. Essayons de laisser notre cœur être libre. Essayons de laisser notre cœur être free. Parce que quand on est mauvais à l'intérieur du cœur, c'est la raison pour laquelle on finit avec l'AVC. Quand ton cœur n'est pas libre, quand tu n'es pas positif dans ton cœur, tu dois finir avec l'AVC. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, mes amours? Ouais. Parce que quand tu n'aimes pas ton prochain, quand tu es toujours amer, quand tu es toujours aigri envers les autres, ça fait comment? Tu es en train de détruire ton cœur. Tu es en train de détruire. À un moment donné, le sang ne doit pas bien circuler entre le cerveau et ton cœur. Qu'est-ce que ça doit se faire? Ça doit fermer un clot, ça doit fermer un caillou. Et quand le sang forme le caillou, là, il y a le gap dans la veine. Directement, tu tombes dans l'AVC. Tu tombes dans l'AVC sévère. L'AVC sévère. Tu dois d'abord te paralyser à l'instant T. Tu dois te paralyser à l'instant T parce que le cœur là n'était pas propre dedans. Tu réfléchissais toujours négativement.
C'est la raison pour laquelle je suis là ce matin pour rappeler à mes frères et sœurs, pour rappeler à ceux que j'aime. Je vous aime tellement. Je vous aime tellement. Je vous aime tellement. J'aime même ceux qui me détestent. J'aime mes ennemis parce que j'aime l'être humain. J'aime les animaux. J'aime la nature. OK? J'aime tout ce qui bouge. Même la nourriture, j'adore. J'adore. C'est la raison pour laquelle tous les matins, je consomme 30 légumes et fruits. Tous les matins, ça c'est ma décision. J'ai pris ça ici avec vous. Ça c'est mon challenge. Tous les matins maintenant, je consomme 30 légumes et fruits. C'est ça la transformation. Parce que j'ai compris que la vie, notre vie là, notre vie, c'est le happiness et la bonne nourriture. Pense à ta santé. Pense à ta santé. Et ta santé, c'est quoi? Si tu es mauvaise là, si tu es amer, si tu es amer là, tu es en train de te détruire. Tu es en train de te détruire sans savoir. Tu es en train de mourir à petit feu. Tu es en train de mourir. Parce que, exemple, si tu vois Yolande, Alvin Noumé avait peut-être son légume et fruits, au lieu de te rapprocher vers moi pour dire, ouais, ma soeur, c'est comment? Je peux faire comment pour avoir aussi les fruits et légumes? Mais tu restes chez toi, tu es juste amer, tu es aigri, tu deviens juste méchant contre Alvin Noumé. Là, tu es en train de chercher les problèmes et les maladies qui vont te finir. Parce qu'un jour, tu dois aller au lit et tu ne dois pas te lever parce que tu es en train dans l'ABC. Ou un jour, tu peux t'asseoir tellement tu es mauvaise dans le cœur. Ton cœur te fait mal quand tu vois les autres réussir, quand tu vois les autres progresser, quand tu vois les autres qui ont pris des décisions pour dire non à la graisse au niveau du ventre, pour dire non au gros ventre. Au lieu que tu prennes aussi la décision, tu restes là, tu es amer. Tu es amer, tu dois tomber dans l'AVC. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es amer, tu tombes dans l'AVC. Et comme je parlais, si vous rentrez sur mes posts, je suis en train de parler beaucoup du lail ce jour-ci. Lail. Le lail est très, très bien. En anglais, nous appelons ça garlic. OK? Garlic is very, very important. Garlic is very, very. Je sais, c'est les ingrédients qu'on utilise à la cuisine à tort, à travers, sans connaître le bienfait du lail. On utilise le lail à la cuisine sans connaître vraiment le bienfait. On utilise seulement parce qu'on croit qu'il faut. Bon, donnez-moi quelques minutes, j'ai l'appel là. Alors. Yes, I will send you the message or I will call you in the next 45 minutes and then we will go from there. I will see how we can settle down. Yes, I will call you in the next 45 minutes. Thank you. Bye. Donc, comme je disais tantôt, vous savez, si tu ne peux pas prendre la décision ferme de ta vie, si tu ne peux pas prendre une décision positive de ta vie, personne ne viendra prendre la décision. Et si tu veux passer ton temps à être amer, 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 tu auras les conséquences. Des conséquences, comme les Anglais disent souvent. You will have the consequences if you cannot take a decision about your life and you just want to be negative against others. You will have the consequences to face. In life, we need to be more positive. We need to stop being negative. This is why I'm here again this morning, to motivate somebody and to motivate myself. Yes, of course. Of course. To motivate myself. I want us to be together. I want us to learn from each another. I want us to be happy all the time.
If you have a big stomach and you want that stomach to finish, like you can see my own is finishing slowly, slowly, contact myself. Contact myself. You'll grab some capsule. It's a fruit and veg. It's a fruit and veg, okay? It's a fruit and veg. Même la ceinture est déjà bien grande. Vous voyez? Même la ceinture est déjà bien grande. Parce que le vent, la graisse qui était là, ça a disparu. La graisse qui était là. Et nous partons dépenser les millions. Soit disant, il faut qu'on coupe. On coupe quoi? Tu es devenu quoi? Tu es devenu quoi? Tu es devenu le porc qu'on doit aller couper une partie pour enlever. Non. Non. Non, 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 non. Je suis là pour la motivation. Je suis là pour rappeler à quelqu'un, motive-toi. Et nous avons les ingrédients, nous avons des condiments dans nos cuisines qu'on ne connaît même pas le bienfait de ces condiments. Nous avons des condiments à la cuisine qu'on utilise pour dire, oh, on veut faire le poisson braisé, on veut préparer le ndolé, on veut préparer le condré. On connaît seulement que, bon, les condiments là, c'est pour préparer le condré, le DG, le mongo, le ceci, le cela. On ne sait même pas que nous avons des antibiotiques, les anti-inflammatoires à la cuisine. C'est stocké là. Nul ne connaît. Nous sommes là. Nous sommes les aveugles de la nature. Nous ne connaissons même pas que l'huile que nous sommes en train d'utiliser pour préparer, c'est ça qui est bon même pour se coindre avec. On ne connaît rien. On veut juste que le blanc pas fabriqué, on achète. On veut juste que les Chinois pas fabriqués, on achète. Qu'est-ce qui nous arrive? À un moment donné, nous allons se reculer et réfléchir. Et réfléchir. C'est la raison pour laquelle j'ai pris cette initiative que nous allons changer notre comportement. Il faut qu'on change notre comportement. Il faut qu'on change notre manière de penser. Il faut qu'on change notre façon de réagir envers nous-mêmes ou envers les autres. Envers nous-mêmes ou envers les autres. On doit se motiver parce que tant que tu n'es pas motivé, tant que tu n'es pas motivé positivement, tu ne peux rien changer. Tant que tu n'es pas motivé positivement, tu ne peux rien changer dans ta vie. Soyons vrais. Laissez-moi partager encore la vidéo. Je mets la musique quand ça joue. On partage un peu la vidéo ici. Nous allons continuer. Parce que j'ai trop de choses à partager aujourd'hui avec vous, ok? Maybe I need your happiness to see mine for me. Come on. I think about that. All at once, baby, I need your happiness, say mine for me. Baby, I need your happiness, say mine for me. I'm
La 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 la. Okay. I will take you overseas. Say my for me. Ok. Comment vous allez là-bas? Vous portez bien? Je me fuis au moins 30 par jour. Donc, pour n'atteindre qu'à Cameroun, Pelenana ingo comptoir 1019 marché A. Pelenana ingo comptoir 1019 marché A. Et je mes vitamines. Que toi mes vitamines, inda angote encore. Donc, Pelenana indenchu atteindre qu'à ça. À marché A, comptoir 1019. Inga, inchitemo vitamino. Pei chitemo vitamino. Et pour pi indépenge, nye rechallenge, ou mette pimi kilo. Te pimi kilo. Et mi suivre challenge, ou normalement. Mange y ta moulinex. Doa a rouyé le res enregistré. Tu suivre challenge, ou normalement. Mbonga ouye ta moulinex. Parce que je respecte vraiment ce que je dis, ok? Je respecte vraiment ce que je dis. Si tu as respecté vraiment le programme, tu as droit à un moulinex gratuit. Et je m'adresse à ceux qui sont au niveau de l'Afrique. Pour ceux qui se sont enregistrés pour suivre le programme, pour dire non à la graisse et maintenir notre santé, les moulinex sont déjà arrivés au niveau de l'Afrique. Et déjà, nous allons commencer avec la distribution. Donc, pour ceux qui se sont enregistrés pour ce challenge, faites recours au comptoir 1019 au marché A de Champ pour être en possession d'un moulinex, ok? Si vous êtes enregistré et vous avez respecté le programme. Et si vous n'êtes pas encore dans le challenge, vous pouvez toujours vous enregistrer, ok? Allez vous enregistrer et puis nous allons continuer avec notre challenge. Parce que mon programme, c'est de faire l'effort pour que nous tous, nous soyons heureux et heureuses. Parce qu'on ne peut pas passer le temps aller se faire opérer ou être couché sur le lit d'opération de l'hôpital tous les jours parce qu'on ne se sent pas bien. Par contre, nous avons tout ce qu'il nous faut
pour garder notre santé saine. Nous avons tout ce qu'il faut pour garder notre santé saine. OK? Donc, pour tous ceux qui veulent les produits, allez-y et vous êtes au niveau de l'Afrique. Présentement, nous avons la représentation au niveau du Cameroun. Donc, pour ceux qui se sont enregistrés déjà au niveau du Cameroun ou tu n'es pas encore enregistré, fais l'effort de contacter AZ Foundation au niveau du Cameroun pour t'enregistrer. Et tu serais bénéficiaire d'un Moulinex gratuit. The blender is free of charge if you register yourself to this challenge. Because I want you guys to be happy with me. Because I don't want to let somebody down. I don't want to let you back. We need to move on together. We need to motivate ourselves together. We need to transform our life together. We need to say no to a big stomach together. I start this challenge with you guys and we need to continue. We will not stop that. We will not stop that. We have our goal. We have our mission. We have our vision. We need to follow that. And I will always be here to remind you. I will always be here to remind you to take your vitamin. I will always be here to remind you, take your supplement. It's very important. It's very, very important to make sure every single day you use fruit and veg. I know the time you go to the hospital, they tell you you need to have at least 5 vegetables and fruit a day. How many do you have a day, brother and sister? But for me, I decide to have 30 every single day. Je sais quand vous partez à l'hôpital, votre docteur vous conseille de prendre au moins 5 légumes et fruits par jour. Mais je ne sais même pas si vous consommez ces légumes et fruits. Et le tout, ce n'est pas de prendre seulement le légume jeté dans la marmite, c'est de connaître aussi comment cuisiner. C'est de connaître aussi comment utiliser ce fruit. Parce que si tu prends un fruit, tu ne laves même pas. Tu ne laves pas et tu manges. Bon, ça doit aussi te causer maintenant d'autres maladies. Donc, apprenons à mieux se comporter avec notre corps. Notre corps humain, notre santé est prioritaire. Parce que la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Je sais si tu es en bonne santé. Si tu es en bonne santé, tu dois tout faire. Tu dois tout faire. Si tu es en bonne santé. Mais si tu as plein d'argent dans le compte et tu n'es pas en bonne santé, tu vois ce que ça donne? Si tu as plein d'argent dans ton compte et tu n'as pas de santé, ma chérie, c'est que ça ne donne pas. C'est que ça ne donne pas. Donc, on doit beaucoup se focaliser sur notre health. We need to think about first our health, our happiness, our health, our happiness. I'm here today to motivate you. Think about your health. Think about your happiness. Just ask these two words. Being, doing. Being, doing. What are you doing? What are you doing? Just ask yourself questions sometime and answer. We need to make sure we eat good food. Good food. Because sometimes you can cook and thinking it's healthy, but end of the day, it's not healthy. We need to review that. We need to review the type of food we are eating. We need to review it. We need to check the type of food we are eating. Okay? We need to check the type of food we are eating. We need to check the type of food we are eating. Because sometimes you think you are eating the good food and you are not eating the good food. You are just eating rubbish. Okay? We need to review everything we are eating. We need to ask questions. A day you need to sit and ask yourself questions. How? How can I do to eat that good food? How? How? How?
What is happening? What is happening in my life? What is happening? Ask you question. Ask you that kind of question. What is happening in my life? Why I have this big stomach? Why? Why I let myself be down like this? Why I cannot challenge my life? Why I cannot go out from this depression? Why I cannot go out from this loneliness? Why? Ask yourself question. Because at more you ask yourself question, you will find the solution. You will find the solution. You will find the solution. The time you ask question, why, how, it's not about people who is around you. No, it's not about people who is around you. It's about yourself. It's about you. Ask you that question. That question need to be you. How, what I'm doing? Why this is happening? Why? I failed my exam. Why? Ask this question. I'm not taking decision in my life. Why? Ask that, because that is you. All the questions you will ask is about you, not about people who is around you. No. Ask yourself, why are you stressing for? Because we stress a lot. We stress a lot. Small problem, you stress. Ask yourself why you want to keep stressing. Why? Why? Ask this question. Most of the time, we always stress. Why? Why we are stressing for? Why? Why? We need to ask ourselves. We need to ask ourselves this such question. We need to ask ourselves why we are stressing. And we need to choose our friend. We need to choose the best people to move on with. We need to choose people to be around. We need to choose people who want to follow your pathway. You need to choose people, they are inspiring you. You need to choose people who need to be around you. You cannot choose somebody who is always negative or where you cannot help. You need to be around that people who are positive like you. You need to be around people who want to change the way they live like you. Who want to change their behavior. You need to choose. You need to choose what you want to do for your life. You need to choose. Nobody else will come and choose what you want. It's you who will choose what you want. It's you who will choose what you want. We need to be clear about it, okay? And we need to stop being negative. I know all the time we are negative against others. We need to stop that. Now I need to drink my capsule, okay? You know, eat 30 fruit and veg every single day. I need to make sure I drink my capsule. Now this is a vegetable. I need to have my 2 capsule. This is my fruit. That is my supplement. Every single day I use it. It's my challenge, okay? Just make sure you contact in inbox to grab your capsule. This is my secret, okay? Est-ce que vous voyez les rides sur le visage? Non, 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 non. Pas de rides sur le visage. Regardez le visage, ok? C'est à cause des capsules, c'est à cause des légumes et des fruits. À cause des légumes et des fruits, ça te nettoie de l'intérieur à l'extérieur, ok? Les légumes et les fruits nous nettoient de l'intérieur à l'extérieur. Donc, même si on n'a pas fait l'opération pour couper le ventre et si on ne peut pas prendre des légumes et des fruits, des suppléments venant de Evi Bio, on ne peut pas être comme Alvin Noumé, ok? Pour être comme Alvin Noumé, voilà juste le secret. Voilà juste le secret, ok? Tu prends tes suppléments every day. Voilà, j'ai pris mes fruits, je mets dans la bouche. Là, ici, c'est toujours les fruits, les différentes qualités de cerises, ok?
Voilà. Je prends aussi deux parce qu'il me faut consommer 30 légumes et fruits tous les jours pour nettoyer mon corps, pour chasser certaines maladies aussi, hein. Parce que quand tu consommes comme ça, si c'est les maux de tête qui devaient t'attaquer en journée, non, ça ne te regarde même plus. Parce que déjà, hein, l'infusion est là. L'infusion est là que j'ai déjà apprêtée avec l'ail. Le lait, vous savez, c'est l'antibiotique. Quand tu prends ton lait, hein, même si c'est l'abcès qui devait monter, maman, l'abcès doit passer par où? Par où? Par où? Si c'était les problèmes de la vision. Non! Voilà ça. Nous avons des produits naturels qui doivent venir nous aider beaucoup pour notre santé. Voilà ça. Voilà mes fraises. Sans oublier mon produit phare qui est Oméga. Oméga. Oméga, c'est l'huile. Oméga, c'est l'huile de fruits. Nous avons 5 Oméga là. Ça contient 5 Oméga. Oméga 3, Oméga 5, Oméga 6, Oméga 7 et Oméga 9. Ça, c'est l'huile. Pour ceux qui ont les boutons sur le visage, les rides, acné, dans les teenagers, si vous avez une fille, une petite fille, les petits garçons qui ont l'âge de la puberté, ils ont les boutons sur le visage partout. Voilà ça. Voilà le secret. Parce que tous les produits là, les enfants consomment aussi. Les légumes là, les enfants consomment. Les légumes là, les enfants consomment. Les femmes enceintes consomment. Les bébés consomment. Un bébé qui ne veut pas manger, tu ouvres, tu mets dans sa nourriture. L'enfant à l'aise. L'enfant à l'aise. L'enfant à l'aise. Une femme enceinte qui consomme ce produit, c'est oh my God, la santé de fer. Donc, au même moment que tu es enceinte, tu continues à faire la gymnastique. Au même moment que tu enseignes, tu continues à faire ton sport. Tu continues à travailler. Tu n'as pas de nausées par-ci, par-là. Non. Tu n'as pas de fatigue. C'est la raison pour laquelle vous voyez, j'ai trop d'énergie. C'est à cause de ça. À cause du secret. Le secret. Le secret. Le secret de ça. Et les boutons, pour les adultes qui ont les boutons aussi rebelles, là, les taches noires rebelles au niveau du visage. Voilà. Tu ouvres le capsule Oméga là, tu oins ton visage avec. Tu oins ton visage. Ça doit disparaître. Eh oui, ça doit disparaître. Ça doit disparaître. Ceux qui en souffrent des vergetures, voilà le secret. Contactez en inbox. Ce n'est plus le moment de se stresser. Ce n'est plus le moment de se stresser. Non au stress. Non au stress. Nous prenons nos produits qui doivent nous nettoyer de l'intérieur à l'extérieur. Voilà les capsules Oméga. Voilà. Donc maintenant, je mets ma tisane là. Mets là maintenant. Ici là, c'est. Ici, c'est le détox. Ici, c'est le détox que hier j'apprêtais. OK? Comme je suis toi en train de parler du l'ail. L'ail, l'ail, l'ail. Voilà. Voilà. Pour ceux qui veulent les produits pour se nettoyer de l'intérieur à l'extérieur et dire non au gros ventre. Parce que notre souci de nos jours, quand les femmes veulent couper leur tête pour jeter, c'est à cause du gros ventre. Les femmes veulent couper leur tête pour jeter la dehors, c'est à cause du gros ventre. Il y a certains hommes aussi qui portent le pantalon. On ne voit même pas la ceinture, mon frère. Quand tu portes le pantalon, on ne voit pas la ceinture. Il faut faire recours chez Evie. Quand tu portes déjà ton pantalon et on ne voit pas la ceinture, fais recours chez Evie pour prendre un produit qui doit t'aider à nettoyer la graisse qui est au niveau du ventre. Parce que dans les normes, tu dois porter le pantalon et on doit voir ta ceinture. C'est de ça qu'il s'agit. Dans les normes, quand tu dois porter ton pantalon et mettre ta ceinture, on doit voir la ceinture. Mais du moment où le ventre vient déjà se déposer sur la ceinture, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, ne croyons pas que c'est seulement les problèmes que les femmes vivent, même les hommes. Les hommes en souffrent.
Mais toi, la femme, dès que ton mari dit, regarde ton gros ventre, tu es complexée. Dès que ton homme dit, regarde le gros ventre, tu es complexée. Tu n'arrives plus à t'habiller quand il y a la lumière. Tu n'arrives plus à allumer dans la chambre quand ton homme est là parce que tu es stressée du mot qu'il doit lâcher parce qu'il doit dire, regarde le gros ventre. Mais toi, tu oublies que peut-être aussi c'est le gros ventre là qui veut. Il veut le stade. Il veut le stade. Il veut le stade. Et il ne veut pas que le stade soit aussi trop dur. Parce qu'il y a aussi certains gens qui partent se sécher le corps, croyant que c'est être maigre qui est la beauté. Ce n'est pas être maigre, les femmes, vous êtes où? La femme doit avoir la chair. La femme doit avoir la chair. Le corps de la femme doit être souple. Le corps de la femme doit être souple. Quand on touche ton corps, ton corps doit être souple comme le corps d'un bébé. C'est la raison pour laquelle nous adorons les bébés. Nous adorons, nous aimons porter les bébés parce que le corps du bébé est souple. Et pour avoir un corps souple, visitez Azek Vision, envoyez-moi juste l'inbox, le message en inbox pour retrouver votre beauté, pour générer encore les cellules fraîches sur vos corps. Arrêtons de croire que c'est être maigre qui est la beauté. Non. Non. Non, 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 non. Et je répète encore, non. Être maigre n'est pas la beauté. Être maigre, ce n'est pas parce que tu es en bonne santé. Parce que j'en trouve beaucoup de personnes qui sont maigres, qui me contactent tous les jours pour avoir des produits, pour vouloir prendre un peu de poids. Est-ce que vous me comprenez, mes chéris? Donc, pour tous ceux qui sont thin, qui sont maigres et veulent prendre le poids parce que dans la vie, une bonne femme doit avoir la chair, la peau là qui est souple, le corps qui est souple, comme l'éponge. Tu dois être comme l'éponge, en fait. Ton corps doit être fraîche. Les mains doivent être fraîches. Pas que tu touches quelqu'un, c'est comme si c'est l'éponge métallique. Non. Non, 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 non. Apprenons à avoir des bonnes méthodes. Ne copions pas des autres. Ne disons pas que non, comme telle est partie, couper le ventre, réduire l'estomac, je dois aussi le faire. Non, 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 je me recule un peu par derrière avant de m'exprimer. Non, c'est dangereux, dangereusement dangereux. Non. Prenez des produits naturels, voilà, les produits naturels pour nettoyer votre corps. Ça doit prendre un peu de temps, mais c'est bon, c'est naturel. Ça ne sert à rien d'aller se coucher. On te met peut-être, c'est même l'anesthésie générale, qui sait? Qui sait? C'est quand ça se gâte que ce genre-là vienne même là raconter leur vie. Raconter leur vie. Prenez des produits naturels. Et arrêtez d'être complexé. Ma chérie, tu as les problèmes du ventre aujourd'hui, c'est parce que tu as accouché. C'est normal. Tu as les vergetures sur ton ventre, c'est parce que tu as accouché. Il y a même les hommes qui ont les vergetures. Il y a les hommes qui ont les vergetures, surtout les sportifs là. Parce qu'eux portent le fer. Eux portent le fer. Hein? Et il y a certains gens qui adorent voir les vergetures. Oui, 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 oui. Il y a certains hommes qui doivent te dire, hey, j'aime les femmes qui ont les vergetures sur le corps. Oui, c'est comme son luxe. Oui, 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 oui. Il y a les gens comme ça. Donc, arrêtons d'être complexés. Je m'adresse aux femmes, s'il vous plaît, mes amours. Je vous adore tellement. Je vous l'offre. Je vous aime tellement. Arrêtons d'être complexes. Arrêtons d'être déprimés, dépressés. Dépressés pour qui? Pour qui? Qui doit t'énerver jusqu'à ce que tu dois être déprimé? Qu'est-ce qui doit beau t'énerver dans la vie là jusqu'à ce que tu dois être déprimé? Qu'est-ce qui doit t'énerver? C'est parce que l'homme a dit tu as les gros seins que tu dois être déprimé jusqu'à aller couper les seins. Non!
Quand il te dit tu as les gros seins, toi-même tu le réponds. Il a quelque chose sur lui là que toi-même tu as vu, c'est un défaut. Il a un truc sur lui là que toi-même tu regardes comme ça, tu te regardes moi ça. Lui-même il confirme le code que celle-là elle est prête. Quand il te dit regarde les petits seins, tu le regardes comme ça, tu dis tu le lâches aussi sa part. Lui-même il confirme le code que yes, celle-là elle est prête. Arrêtons ça. Je suis là tous les jours pour la motivation, la transformation, pour éduquer comme je peux, mais les gens ne veulent pas comprendre. Soyons soudés. Soyons ensemble. Apprenons les uns et les autres. Si c'est pour faire des exercices, nous avons un groupe de sport qui est privé. On se connecte sur notre plateforme un peu plus privée pour faire nos exercices en groupe. Si vous voulez joindre le groupe, allez-y. Allez-y. Et pour tous ceux qui aiment Alvin Noumé, j'ai créé un groupe sur WhatsApp pour partager le bienfait et comment rester toujours contente, heureuse. Si vous voulez joindre mon groupe sur WhatsApp, envoyez juste l'inbox. Pour tous ceux qui veulent joindre mon groupe sur WhatsApp pour qu'on puisse partager la joie de vivre, envoyez l'inbox, je dois vous mettre dans le groupe WhatsApp. On doit se partager des idées dans le groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp, ce n'est pas seulement ceux qui sont ici. C'est pour tout le monde entier. Donc, si vous avez un business, nous allons parler de ça dans ce groupe WhatsApp. Si vous avez un problème, nous allons gérer ça. Ou tu m'envoies un message en privé pour qu'on puisse continuer à être contente ensemble. Donc, apprenons à être vrai envers nous-mêmes. Apprenons à être vrai envers nous-mêmes. Est-ce que vous me suivez, mes amours? Donc, ça ne sert à rien de trop se plaindre quand il ne faut pas. On se plaint souvent trop. On se plaint trop. Même ceux qui ne font pas se plaindre, on se plaint. Même ceux qui ne nous servent à rien, on se plaint d'eux. Parce qu'il y a les gens dans la vie là qui ne vous servent à rien. Et si vous contactez qu'ils ne vous servent à rien ou elle ne vous sert à rien, vous dégagez la personne sur votre chemin. Vous dégagez parce que la personne ne doit pas venir pourrir votre vie, vous faire réfléchir. Vous n'avez pas le temps pour réfléchir. Vous avez le temps pour réfléchir sur des choses positives. Sur votre achievement. You need to have that time just to think about your goal. You need to have that time to think about your achievement. You need to think positively about your life. If somebody came into your life and want to frustrate your life, let the person go. Simple like that. Just let the person go. If you have a husband, it's a domestic violence every day, just remove that man into your life. Remove him. If you have the husband who is insulting you every single day because you have a big stomach, just let him go. Because the day he said he loved you to start the relation with you, you was not like that. I think it's because you go and have his children and now he want to insult you and tell you another woman is outside. Let him go or take a decision or contact Alvin Noumé in inbox to take this detox. The detox will help you to clean yourself from inside. Okay? Just take a decision. Just take a decision to clean, to change the way you look. And things will go. You don't need to be stressful. You don't need to be stressful. You doesn't need to be stressful. No. Exercise.
You rock yourself as you want, okay? Il y a personne qui va venir. La nuit est bon, je prends mon petit déjeuner sans oublier mon petit déjeuner. Je veux juste les fruits, ok? Mon petit déjeuner, ok? Je remplace mon petit déjeuner avec ça. Je remplace mon petit déjeuner avec... Quelques minutes, il y a quelqu'un qui... Je vais
Et même demain, nous allons I love you, baby. Je vais t'aimer. I love you, baby. Je ne sais plus quoi dire pour t'exprimer mon amour.
Bon, merci, merci, merci beaucoup, mes amours. Merci, merci. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. J'espère que vous avez appris un peu aujourd'hui. Vous avez appris une petite leçon aujourd'hui par rapport à la motivation, à être bien dans sa peau, à se sentir bien. Et aussi, la santé, c'est primordial, OK? Notre santé est prioritaire. Notre santé est prioritaire. Comme je disais tantôt, pour tous ceux qui souffrent de l'acné, nous avons des enfants teenagers, dont les enfants de 9, il y a même certains 8 ans, 8 ans jusqu'à 15 ans, qui souffrent vraiment de ces problèmes de boutons au niveau du visage, dont nous avons des produits naturels à base de fruits et des légumes. OK? Les bébés boivent, les femmes enceintes consomment, parce que c'est bien aussi pour la santé de l'enfant. OK? C'est très bien pour la santé du bébé. Donc, une femme enceinte, ma chérie, si tu veux avoir un enfant, que déjà, elle, en sortant dans le ventre, la peau serait déjà très, très bien. L'enfant serait en bonne santé. Consomme, je te conseillerais de prendre tes capsules parce que là-dedans, ça a des effets. Donc, quand tu utilises déjà ces légumes et fruits, tu auras tellement d'énergie. Tu auras tellement, tellement d'énergie. Et cette histoire, quand une femme est enceinte, on voit il y a une couche au niveau du cou, et nous sommes toujours tentés à dire non, c'est parce que tu es enceinte, tu vois, quand tu dois accoucher, ça doit finir, c'est la couche de l'enfant. Qui vous avait dit que quand une femme enceinte, une couche doit venir sur son corps? Vous m'avez déjà vu enceinte, non? Parce que nous avons accouché quand même 5 ensemble ici. Nous avons accouché 5. Nous avons accouché 5. Un, 5. Donc, du coup, vous m'avez déjà vu avec la peau noire sur le cou, non? Parce que quand une femme enceinte, tu dois prendre soin de toi. Quand tu ne prends pas soin de ta santé, là, tu auras une couche noire au niveau du cou, au niveau du cou et la poitrine. Et du coup, les gens doivent te dire, non, c'est parce que tu es enceinte. Non, c'est parce que tu ne prends pas soin de toi. Quand tu es enceinte, c'est là où ta beauté doit même ressortir parce que tu es soft. Parce que tu es chaude. Une femme enceinte est chaude. OK? Parce que tu as un autre corps sur toi. Tu as un autre corps dans toi. Donc, du coup, tu dois être propre. Ton corps doit être soft. Mais si tu es enceinte, ça vient juste te détruire le corps. Ça veut dire qu'il y a un manque. Il y a un manque. Il faut booster le muscle système. Il faut make sure que le système est en place. Parce que quand tu es enceinte, c'est là que ta beauté doit vraiment ressortir. Que la beauté doit. La grossesse n'est pas une maladie. Je suis désolée. La grossesse n'est pas une maladie. La grossesse, c'est une bénédiction. La grossesse que vous voyez là, c'est une bénédiction. Donc, quand une femme est grosse, quand une femme est enceinte, c'est le moment de briller. C'est ton moment de briller parce que c'est la bénédiction. Quand une femme est enceinte, c'est le moment de briller. C'est la bénédiction. Arrêtons de croire que la grossesse est une maladie. La grossesse n'est pas une maladie. Parce que moi-même, je suis passée par là. Hein. Moi-même, je suis passée par là. Ma beauté sortait vraiment quand je suis enceinte. Ma beauté sortait vraiment quand je suis enceinte. Pour tous ceux qui me connaissent, vous êtes connectés là. Vous êtes connectés. La beauté de ça, quand tu es enceinte, parce que ton corps chauffe, ton corps est soft. Est soft. Donc, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, quand vous avez une femme qui est enceinte, prenez soin d'elle. Quand vous avez une femme qui est enceinte, prenez soin d'elle, mes frères. Ma sœur, quand tu es enceinte, tu dois prendre soin de toi.
Tu dois prendre soin de toi. Tu dois faire l'effort de t'entretenir. Tu dois faire l'effort de prendre les vitamines, les suppléments qui doivent vraiment aller booster l'immune système. Tu ne dois pas être couché, fatigué et prendre excuse que tu enseignes. Non. Quand moi, je suis enceinte, je continue à faire mes travaux comme d'habitude. Si c'est pour sauter, je saute. Si c'est pour courir, je cours. La grossesse ne doit pas stopper une femme à travailler parce que c'est une bénédiction. La grossesse ne doit pas stopper une femme de continuer à faire ses activités. Non. Le grand problème que nous avons, c'est parce qu'on ne prend pas soin de nous. On ne fait pas l'effort de consommer les aliments complets. Et en prenant ce produit, ça vous aide à être complet, à prendre des aliments. Donc, même si tu prends ce fruit, tu peux manger maintenant un plat de macabo, même sans huile, tu es déjà complet. Parce que vous avez vu, j'ai pris mon breakfast avec vous. Hein. Il n'y a rien qui justifie que je n'ai pas pris mon petit déjeuner. Qui peut me justifier? Avec quoi? Ce n'est pas en mangeant les omelettes ou en buvant une tasse avec le toaster ou avec un toast, c'est même toaster, ou en buvant une tasse avec le toast qui est le bread, qui est le pain, qui veut dire on a pris le petit déjeuner, je suis désolée. Ce n'est pas en buvant la bouillie qu'on doit dire on a pris le petit déjeuner. Voilà mes fruits et des légumes. Je suis complète, 30 fruits et légumes. Et maintenant pour nos cheveux, l'huile à base du lime. L'huile à base de lime. Et si vous avez besoin, contactez. On ne doit pas passer le temps à transformer, à éduquer. Les gens ne veulent pas comprendre, mais on doit seulement te tester. Oh, je veux être comme toi. Tu veux être comme moi. Est-ce que tu prends déjà les produits que je suis en train de conseiller? Parce que moi, déjà, tu vois, je prends ce produit tous les jours. Et ce ne sont pas des remèdes, je répète encore, ce ne sont pas des remèdes. Ce sont les légumes et les fruits. Ce sont des légumes et fruits. Je prends ça tous les jours. Mes enfants prennent ça tous les jours. Donc, if you want to maintain your health, if you want to take care to your health, you have that obligation to have your fruit and veg. If you want to lose the fat, you have your obligation to have your booster, okay? You need to make sure tu as tes produits. You need to make sure tu as tes produits. Donc, pour tous ceux qui ont les chutes au niveau du front, au niveau de la tête, prenez vos produits et vous allez voir le miracle qui doit s'opérer dans votre vie. Parce qu'en prenant ce produit, si vous avez des problèmes de dentition, il n'y aura plus ce problème. Si vous avez des problèmes de vision, il n'y aura plus ce problème. Et je vous ai conté l'histoire des problèmes de la vision. Parce que pour tous ceux qui pensent que les lunettes, c'est un luxe, pour moi, les lunettes, c'est grave. Ce n'est même pas à porter. Il y a ceux qui partent chez l'opticien, on les prescrit, les lunettes, pour eux, c'est un luxe. Ce n'est pas un luxe. Et tu les retrouves en train de dépenser beaucoup d'argent en achetant le cadre. Oh, je dois acheter le cadre tel, non. Je dois acheter le cadre tel. For what? Pourquoi ne pas combattre le mal? Pourquoi ne pas se battre pour ne plus avoir mal aux yeux? Parce qu'en prenant ce produit naturel, tu n'aurais plus les problèmes de vision. Moi-même, à un moment, parce que je fais tellement de recherches, à l'université, j'avais tellement de problèmes pour travailler. Il fallait que j'aie les lunettes. Est-ce que j'ai même porté cette histoire un mois? Jamais. Je n'avais même pas porté cette histoire un mois. Pourtant, moi-même, je suis partie changer le cadre. Quand on m'avait prescrit mes lunettes, j'ai dit non. Il me faut prendre le cadre à mon goût. J'ai pris un cadre en diamant.
J'ai pris un cadre en diamant et ça m'a coûté sauvagement d'argent. Les lunettes sont déposées dans ma chambre et je n'ai même pas donné à quelqu'un parce que quand je regarde l'argent que j'ai dépensé, quand je regarde le cadre de ces lunettes, je dis, yeah, j'étais même aveugle ou quoi. Quand je regarde le cadre des lunettes que j'avais commandées, je dis, merde, qu'est-ce qui se passait? L'argent là, je ne pouvais pas faire quelque chose avec. L'argent là, je ne pouvais pas aller donner à mes enfants orphelins qui sont là-bas en Afrique. L'argent là, je ne pouvais pas aider mes femmes veuves qui sont là-bas en Afrique, elles souffrent. Qu'est-ce qui m'a poussé à aller mettre tant d'argent sur le cadre des lunettes? Est-ce que j'ai même porté pendant 2 mois? Non. Au trop un mois, j'ai compris que non, ça ne sert à rien. Parce que ça me gênait même. Ça me gênait. Ça me gênait. La solution, voilà ça. La solution, c'est nos produits naturels. La solution, c'est nos produits naturels. Naturels. Et maintenant, l'huile noire. L'huile noire. L'huile noire. L'huile noire. Le goût de ça. Je vais vous montrer un peu. Parce que quand on vous parle seulement, vous n'écoutez pas. Je vais vous montrer. Regardez. L'huile noire. Ça, c'est l'huile noire, OK? Ça, c'est l'huile. Ça, c'est l'huile. Vous pouvez vous oindre avec ou vous pouvez lécher. Vous pouvez vous oindre ou vous pouvez lécher. Et c'est très bon pour la santé, OK? L'huile noire, là, c'est très, très bon pour la santé. Très, très bon pour la santé, l'huile noire, c'est là. Très bon pour la santé. Très bon pour la santé. Donc, il y a les différentes huiles. Il y a l'huile à base du cidre noir. Il y a l'huile de l'ail. Je prépare ça toute seule. Donc, vous voyez, ça rend tes mains très, très soft. Il y a l'huile noire. Il y a l'huile ginger. Il y a l'huile à la base d'ail. OK? Donc, si vous voulez rester, continuer dans le même système que vous avez toujours eu à être depuis l'an Abraham, je ne sais pas, je ne connais plus quoi dire, OK? Parce que l'huile noire, là, l'huile noire, tu bois ça et en même temps, tu utilises pour ton corps. Pour utiliser pour ton corps. Si tu as les vergetures, ça doit quitter. Il y a les vergetures, quoi? Il y a les vergetures. Il y a les vergetures. Ah ça, non. L'huile est très fort. L'huile est très fort. Moi-même, je suis forte, ma ça. Hey! Jesus Christ. Les gens souffrent encore de nos jours avec les cheveux. Les gens souffrent avec les cheveux. Alors que chez AZEC, il y a tous les produits. Donc, pour ceux qui sont au niveau du Cameroun, faites un tour au comptoir 1019, marché Adetshan pour prendre vos produits et enregistrez-vous pour avoir des Moulinex gratuits. OK? Enregistrez-vous pour avoir des Moulinex gratuits au niveau du Cameroun. Et tous les produits que je suis en train de vous conseiller de prendre, nous avons déjà ça aussi au niveau du Cameroun. Au niveau du Cameroun, nous avons tous ces produits. Donc, faites l'effort de contacter AZEC Foundation au niveau du Cameroun. Et puis, au niveau de Yaoundé, nous avons notre base qui est My Grand Empowerment Group. MEC est basé à Yaoundé pour aider dans l'entrepreneuriat, pour stopper les voyages clandestins. Donc, on réduit le taux d'immigration clandestine dans le monde entier. Donc, du coup, au lieu d'aller nager dans la Méditerranée et perdre ta vie, je préfère aider les gens au niveau de l'Afrique de s'intégrer. OK? Au lieu de nager, ça, c'est un sujet qu'on doit prendre une autre fois, mais c'est juste l'entrée en matière.
Donc, pour ceux qui sont à Yaoundé, vous allez contacter la team MEC, OK, pour apprendre vraiment à s'intégrer dans la société. Et pour ceux qui sont à l'ouest du Cameroun, plus précisément à Tchank, nous avons nos centres de formation. Voilà le numéro du comptoir 1019. Quand vous arrivez au comptoir 1019, au marché A de Tchank, vous allez trouver tous les produits que je viens de parler. Vous vous enregistrez, ou si vous êtes déjà enregistré dans le programme, vous allez recevoir votre Moulinex gratuitement pour tous ceux qui se sont déjà enregistrés. OK? Et si tu n'es pas enregistré, il faut aller t'enregistrer pour suivre déjà le programme pour qu'on puisse se motiver ensemble, pour qu'on puisse transformer notre vie ensemble. Donc, tout ce produit pour transformer la vie, comment changer son comportement, allez juste vous enregistrer, allez au centre de formation AZ Foundation, au comptoir 1019, au marché A de Chang, in Cameroun. Donc, je vous aime, je vous adore. Passez une très, très bonne journée et à bientôt.